Bonjour, je l'avais au nom de Tricot Adrien. Ouais. Désormais, pour profiter de la piscine, il faut réserver son créneau horaire. 1h30 de baignade pour une fréquentation limitée à 40 personnes. Ça fait 3 mois que j'attends ça, même je fais du renforcement musculaire au judo et c'est pareil, je veux dire, bah, ça fait allez, un bon 3 mois que je fais plus de sport. La piscine a été divisée en deux nageurs par ligne et attention à ne pas être trop proches les uns des autres, sinon c'est le rappel à l'ordre. On était assis là sur le rebord, elle a dit faites attention aux distances de 1 mètre entre les personnes, parce que c'est vrai que ça en fait on n'a pas fait attention, comme on se voit assez souvent dans la semaine, on n'a pas capté tout de suite. Faut quand même faire attention, c'est pour ça. C'est sympa quand même qu'il y a un nombre limité de personnes dans les longueurs. Et entre chaque séance de nage, intensif ou de détente, les agents effectuent un nettoyage complet de l'établissement. Le principe d'eau d'une piscine, c'est qu'elle est désinfectée et désinfectante. Donc il n'y a pas du tout de risque au niveau de la piscine, de l'eau. C'est un nettoyage complet qui est fait au niveau des douches, au niveau des cabines. Voilà, c'est surtout les espaces en fait, où les usagers se changent, qui vont être désinfectés. Au total, la piscine propose 6 créneaux de nage par jour. De quoi ravir les Dunkerquois.